Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 39e épisode sur The Last of Us Part 2. Et on est revenu de l'île des snipers. Regardez, c'est là-bas que ça crame avec Heaven et tout ça. Avec notre pote Lev. Ça lui va plutôt bien la veste d'habit, hein. On va pas se le cacher. Et on retourne à l'aquarium. Et à mon avis. Non, on n'est pas encore à l'aquarium d'ailleurs. On est à la marina. Mais à mon avis, c'est là que ça va partir très très vite, hein. Ok, c'est bon, j'ai les clés. Par chance, ça nous évite de nous taper une énigme où je vais mettre 48 heures à trouver la réponse. C'est là. Sérieux? Ok. Direct une épreuve de force. C'est que Abby, il n'y a rien qui l'arrête. C'est... Derrière moi. Ok, donc on est vraiment sur les traces de Ellie. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ramasser pendant cette séquence. Du coup, on va juste aller droit au but, si j'ose dire. Ok, c'est bien par là. Je sais pas à quel moment je dois couper mon micro, j'avoue. Ok, c'est là-bas. Et là, qu'est-ce qu'on a? Pas grand chose. On était arrivé par là l'autre fois. Du coup, bah là, on n'a plus besoin. Ouais, ok, faut vraiment aller droit au but, comme dirait l'Olympique de Marseille. Ok, bah je pense que je peux couper mon micro d'ici, on se retrouve tout de suite. Attention. Si on le trouve. On va d'abord chercher un moyen d'entrer. Waouh, ok, c'est à moi de jouer cette séquence. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Un reflet. Bon, je vais me faire piéger à mon avis. Sur la PS5, ça m'arrivera souvent aussi, si j'ai l'occasion d'y jouer. Mais à mon avis, la porte d'entrée, Il y a tu de la la lumière. fracasses. Toujours avec moi, Lev? Oui. Tu la fracasses la porte d'entrée, cousine. C'est pas ça qui va te retenir, on le sait. On cherche ailleurs. Ok. Bah apparemment, il suffisait de mettre une porte d'entrée de théâtre pour empêcher Abby de saccager tout. Bon, ici il y a une lumière, vous savez ce que ça veut dire, hein. On connaît le game design de Naughty Dog. Mais avant,
on a ça à fouiller. J'avoue que j'avais jamais remarqué cet endroit-là avec avec Ellie. Bah pour cause, y a rien. Apparemment, j'ai balles illimitées. Hein. C'est plutôt bon signe, mais en même temps, bah pas trop, puisque ça veut dire qu'il va falloir se servir du flingue. Attrape l'échelle. Prêt? Alors je me demande, Lev, on l'a pas vu pendant l'assaut d'Abby sur Jesse et Tommy là. Qu'est-ce qu'il était en train de faire à ce moment-là? Ah, je me pose plein de questions. À mon avis, ça va partir en fight. Hein. À mon avis, c'est là, c'est les épisodes de la bagarre hein, dernièrement. Ok. D'accord. Surtout pas un bruit. Je sais pas si je peux perdre pendant cette séquence. C'est Aléa. Ok. On aurait pu rester 15 jours là-dessus. Je savais pas qu'il fallait appuyer sur rond pour revenir en arrière. Ouais, du coup, je sais pas si je peux vraiment perdre pendant cette séquence d'infiltration. J'imagine que oui, mais... Attention, reste près de moi. Si elle dit attention à ce point-là... Ouais, je sais pas trop. Je pense que sur des tapis, ça va, on est relativement discret. Bah là, y a rien, de toute façon. En soi, je peux pas... Non, je peux pas perdre, parce que c'est juste en bas que ça se passe. Impossible que je perde. Foiré de Jesse. Tu crois que je sais pas reconnaître de l'or? Attends de voir ça, mon petit salaud. Tu vas adorer. Main en l'air. Recule tout doucement. Recule, putain de merde! Tu fais une belle connerie. Ne te retourne pas. Garde-le bien en joue. Mets-toi à terre. Tu vas me tuer comme une lâche. Putain d'enfoiré. Jesse, lève-toi. Les mains en l'air ou je bute l'autre. Fais pas ça, Ellie. Fous le camp. Lève-toi, j'ai dit. N'écoute pas, je te dis. Toi, tu la fermes. D'accord. Arrête. Stop. Jette ton arme. Jette ton arme. Merde. Je sais pourquoi t'as tué Joel. Il a fait ça pour me sauver. C'est ma faute, y'a pas de remède. C'est moi que tu veux. Relâche-le. T'as tué mes amis. On vous avait épargnés. Et voilà le résultat. Attends. Oh. Sophie. Viens vite. Reste ici. Surveille les portes, la laisse pas partir. Oh putain, c'est à moi de jouer. Ah ouais. C'est compliqué. Est-ce que je peux y aller là? Ah non, je peux pas. Bah comment j'avance? T'as pas le droit de t'enfuir. Comment j'avance si elle me tire dessus? C'est des allées, frère. Putain, par contre, bah, ciao Tommy, j'ai envie de dire. Putain, Jesse et Tommy dans la même scène. En fait, j'ai... C'est allé tellement vite. Je sais pas trop comment réagir. Ah!
Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ce gameplay? T'es morte. Quoi? Attends mais... Bon ça c'est cadeau. Ça c'est moi qui offre. Ça c'est la maison qui offre. Écoute, n'attaquez pas de front Ellie quand elle braque son arme sur vous. Bah oui c'est vrai. C'est vrai que j'étais un peu con là-dessus. Mais écoute, moi j'en savais rien. Je connais pas la... Oh la vache. C'est dur ce jeu. Oh mais... Trop forte. Hop. Hop. Je sais pas quoi faire. Attends mais... C'est trop dur ce jeu. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je l'attaque ou pas? Pour prendre l'avantage. Ouais mais ça veut dire quoi? Oh la vache, je sens qu'on va mourir plusieurs fois avant de connaître le chemin. Le truc c'est que je l'entends pas donc ton mode écoute... Je te passe les détails, mais ton mode d'écoute. Hein? Laisse-moi voir ta tête! Oh, mais en plus. Trop forte, Ellie, gros. Qu'est-ce que tu veux rivaliser avec ça? En fait, je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois l'attaquer? T'as peur? Est-ce que je dois pas l'attaquer? Tu vois? Je suis un peu en mode de... Bah je sais pas quoi faire. Oh la vache. Elle me grille tellement vite en plus. Bon elle va se retourner, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que je fais moi? On va pas la suivre jusqu'à ce que mort s'en suive quand même. Je la vois plus là. Ah parce que... Ah ouais ok, il va falloir mettre plusieurs coups en plus. Non mais c'est relou. Parce que imagine que j'ai réussi ça à placer au moins un coup. comment je fais? Je... comment elle se déplace? C'est quoi ce délire? Parce que... J'ai pas d'arme moi. Vache. Elle est où? Gros? Je l'ai perdu. Ah non, c'est bon. Par contre, elle sait que je suis là, quoi. Je me rapproche, mais... Je sais pas quoi faire. Parce que là, on va juste se suivre éternellement. Merde, merde.
peut être rapide. J'essaye de la brain, mais... Attends, mais... Qu'est-ce que je dois faire? Je fais l'appel à un ami. Je dois faire quoi? Attendez, parce que là, c'est relou. Contre Ellie. Je pige pas. Ok, bah on réessaye, mais je sais pas quoi faire en fait. Parce que si ça se trouve, je dois trouver une arme. S'il faut, faut pas la suivre et aller seulement dans une direction. Ok, elle va débouler là. Non. Si, voilà. Ah bah j'imagine qu'il faut l'avoir par derrière, entre guillemets. Ok, il m'a bien confirmé mon collègue. Ok. Oh la vache, c'est à moi de faire ça. Non mais on va finir au sous-sol. Ok. Attends, la durabilité d'une arme au corps à corps diminue. Ok, on va lire tous les conseils. Parce que là, j'ai pas l'impression que... Comment on esquive un coup de fusil à pompe, frère? Ok, comme ça apparemment. Ouais bah... Elle va savoir où je suis de toute façon. Ah, j'ai pas envie de faire ça, mais on est obligé si on veut avancer dans le jeu. Allez. Ah, j'ai plus de force dans le pouce. La vache, on est reparti. Ah ouais. Ah mais quoi? C'est impossible. Mon copain, mon cousin là. Fouiller l'environnement pour trouver des outils précieux. De précieux outils. Ça veut dire quoi? Ouais, va aller les vers là-bas, c'est sûr. Mais regarde là, si on y va. Je veux plus jamais te revoir.
la vache, non. C'est trop puissant. J'espère que c'est pas fini. T'imagines, ça finit comme ça. Au moins, elle a été clémente, elle lui a laissé la vie. Je pense que s'il n'y avait pas l'Ève, clairement, ça finissait en boucherie, là. Boucherie, charcuterie pour tout le monde. Ok, oh la vache. Ouais. Ellie a les cheveux courts maintenant. C'est bon à savoir. Hé, hey, mon bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Allez, tout va bien. C'est bon. Ok. Qu'est-ce que... Attends, à quel jeu je joue là en fait? Je joue à... À quoi? Regardez comment il nous mate le petit là. Regardez sa petite fripouille. Enfoiré, va, il est mignon. Oh, on dirait vraiment la... La maison de... Ouais, tu les aimes bien, on dirait. De Joël et Sarah, à l'époque. T'as vu leur coiffure. Il doit y avoir plein d'interactions à faire. Et comment... Little Potato. Ok, c'est sa petite patate, apparemment. Bah, j'espère... Bah oui, logiquement. Logiquement, Dina va bien, s'il y a le bébé. Dina! Je suis dans la cuisine. Tu bouffes ce que je te prépare. C'est plus fort que moi, c'est mes réflexes de Caris. On peut pas me l'enlever le 93 ans. Oh waouh. Mais c'est sa sœur. Dis coucou à Tati Talia. Coucou Tati Talia. Pardon. Il parle. À cet âge-là. Il parle très très bien pour un... Un petit bambin. Attends, là c'est la cuisine, j'imagine. On va fouiller le reste de la maison. La vache, c'est... C'est un saut dans le temps. Oh, coucou vous deux. Eh, merci pour la vaisselle. Mais plutôt de la musique, au lieu de me remercier. À vos ordres. Photo de JJ. C'est John Jonah Jameson ou c'est quoi le délire? On met un peu de musique. Oh! Oh, c'est Crooked Steel. Ou Crooked. Ah, t'aimes le boogie. Ok. Par contre, tu sens le délire, ça va être la musique de leur rencontre et tout. Ah, trop bien! J'adore cette chanson. Il lui faut pas grand chose à ta maman. Je suis avec toi, donc je suis pas très difficile. Ah, on entend à peine la musique. Bon, c'est bien, on n'aura pas de copyright. On peut aller dehors, on peut lui parler, on va aller lui parler. Ok. Regarde, c'était enché. Tu veux dire ça? Ouais. Oh, regarde, maman. Hmm? Ouh. Oh. Oh, salut toi. Ça me fait de l'effet, moi. T'es bizarre. Je sais, oui. Ok. Ok, arrête de me distraire. Oui, madame. Allez, c'est bon. Va-t'en. Ok. Oh, hé, je crois que j'ai laissé Oli dehors. Tu veux bien aller le chercher? Ouais, bien sûr. C'est qui? C'est quoi, Oli? Qu'est-ce que... C'est peut-être leur chien. Je crois qu'il est sur le tracteur. Bah non, Oli. Qu'est-ce qu'il foutrait sur... Qu'est-ce qu'un chien ferait sur un tracteur? On est dans le futur, mais quand même. Tu veux aller prendre l'air?
la vache. Oh, c'est beau ça. Avec sa petite coupe courte là, ça lui va très très bien. Attends, mais on est à Santa Barbara, nous, ou... Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis assez troublé, j'avoue. Ah, le tracteur est là. Oh, oh là là. La claque. La claque, les frères et les sœurs. C'est fou, c'est dingue. C'est fou, c'est fou. J'ai hâte de... Oh la vache, ça va être tellement énorme, la PS5. Imaginez le portage de ce jeu. Qui est là? C'est ça, Oli? C'est... Hé, hey, Oli. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, d'accord. Attends, bonhomme. Ouais, voilà. C'est joli, non? Eh, tu sais quoi? Un jour, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Quand tes mains seront plus grandes. Et que t'arrêteras de faire caca dans tes couches. Ça fait rien. Tout le monde passe par là. Ok. J'aurai un tas d'histoires à te raconter. Quand tu seras plus grand. Beaucoup plus grand. Je sais même pas par où commencer. Est-ce que je dois bouger? Allez, petit gars. On va aller voir maman. Il s'accroche bien, mine de rien. Putain, la tête qu'il a. C'est un délire. Ah, il y a même le petit détail de Holly dans la poche. Enfin, j'ai pas particulièrement regardé cette zone, hein, mais je me suis dit, c'est quoi ce truc? C'est un flingue? Il y a un truc là-dessus. Hey, on va te rajouter là-dessus. Alors, Dina et Ellie. Égal. Non. Voilà, maintenant c'est officiel. Ok, je crois que j'ai compris la signification des deux J. Soit c'est Joel, Jesse. Soit c'est Jesse, Joel. Est-ce qu'on peut escalader ça avec un bébé dans les bras? J'ai pas l'impression, non. Là, c'est un portail, non? Tu veux pas? Ok, bah on va retourner voir la mère, Dina. Ah, il aime bien quand je cours. C'est rigolo. C'est rigolo, tout ça. Mais vous savez quoi? On va s'arrêter ici pour cet épisode. Ce 39e épisode, waouh! C'est vrai que les deux derniers étaient particulièrement puissants, j'ai envie de dire. Beaucoup de... Bah de... Ah, comment... Beaucoup de choses se sont passées, hein. Là, on doit être quelques années plus tard, j'imagine, peut-être 2-3 ans. Peut-être un ou deux ans, peut-être, à juger l'âge du gosse. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très très vite pour la suite. Là, j'ai qu'une envie, c'est de continuer pour le coup. Hein. En fait, à partir du moment où on a quitté l'île des snipers, je me suis dit waouh, là on est dans la dernière ligne droite. Il va falloir s'accrocher. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Activez la cloche une fois vous êtes abonné, comme ça vous ne raterez pas la fin. La fin, je pense qu'on est proche de la fin, sincèrement. En tout cas. Moi, je vous donne rendez-vous très très vite. Ciao !